Mon bon Guillaume, tu permets que je te tutoie? Je te méprise tellement, c'est comme si on était proches maintenant. Quel mot tu ne comprends pas dans règle des trois unités, connard? Voici ce que je pense de l'instant présent. Et ne vous méprenez pas, si je lève mon pouce, ce n'est pas parce que j'ai aimé ce livre, mais pour faire du stop et partir le plus loin possible de lui. Tolérance zéro. Ça, c'est de la télé. Parce que qu'est-ce qu'il prouve avec ce bouquin? Bah que visiblement, le ridicule ne tue plus dans notre république. Mais que surtout, il permet même de bien gagner sa vie. Triste époque épique. Salut, Steady Boy. Le RMiste qui se lève tôt et qui représente le ghetto. Donc, comme vous le savez, Teddy, il s'est mis à lire des livres. Et en fait... aujourd'hui, il s'intéresse au livre de Musso, Central Park, parce que il y a beaucoup de gens autour de lui qui lui disent gna gna gna, Musso, c'est de la merde et tout. Et Teddy, toujours dans la démarche de la conscience, dans l'objectif de chercher le positif partout où il est, il est allé acheter le livre de Musso. Moi, j'y reste pas sur des critiques négatives comme ça de but en blanc. En tout cas, ce que je vois, c'est que les gens qui ont une prétention à la littérature et à l'écriture, ils ont beaucoup la haine contre Musso, en fait. J'ai lu sur un article du Figaro que le gars avait vendu 150 000 exemplaires en 10 jours de celui-là. Alors je me dis peut-être c'est ça qui fait que les gars, tu vois, ils sont un peu la rage, en fait. Alors, résultat, j'ai lu le livre et moi j'ai compris, d'une part, pourquoi est-ce qu'il a du succès. Et je me demande même si, à écouter la vidéo, vous n'allez pas pouvoir vous-même écrire des trucs à succès de ouf comme ça. Je crois que j'ai compris un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Il y a peut-être une technique. On va essayer de voir tout ça. Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière. Pourtant, ils ne sont pas prêts de l'oublier. New York, 8h du matin. Alice, jeune flic parisienne. Et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés, l'un à l'autre, sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible, et pourtant... Alors déjà, on constate que le pitch, il est accrocheur. Donc il est en quatrième de couverture et rien que ça, quelque part, ça pousse à l'achat parce que il y a une intrigue et voilà, les gens ils sont intrigués, ils ouvrent le livre. Alors moi j'entends déjà des gens qui vont me dire c'est un peu pas de la littérature. Moi j'irai pas lire un livre qui se croit pour un film. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que le livre il se prend vraiment pour un film. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que Musso... il n'écrit pas pour bouger la langue française, pour faire de la littérature ou de la poésie en prose et tout. C'est pas ça son truc. Son truc à Musso, il le dit, dans ses interviews, c'est le langage audiovisuel. C'est un enfant hérité de la surconsommation de l'image. Résultat, il n'écrit pas pour les 2000 schlags qui sont enfermés chez leur mère à étudier la littérature à la faculté et tout. Là, en général, quand ça commence comme ça... Il écrit pour les millions de Français qui sont un peu illettrés. Les mecs qui passent leur temps devant la télé et tout. Et ça, cette écriture-là, elle est facile à traduire. C'est ça qu'il a vu. Donc ce qui fait qu'il peut exporter en fait son ouvrage partout. Et des illettrés, ça, dans le monde entier, il y en a, tu vois. Des gens qui regardent des séries. Faut imaginer que la lectrice de Musso, elle se tape toute la journée des séries, en fait, le soir et tout. Et quand elle est dans le métro... et ben elle a envie de prolonger le plaisir de s'accrocher à des personnages et de voir une sorte de fiction facile à rentrer dedans et tout. Donc le mec atteint ses objectifs, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là où je comprends que les gars ont la rage, c'est que on voit très bien quand on lit un Musso que c'est écrit comme un scénario de film. Et que le gars, en fait, il écrit son livre en sachant très bien
que c'est plus facile à transformer en bande dessinée ou en film. Et ça fait peut-être rager parce que voilà, tu es, t'achètes les droits de ton livre pour faire un film, putain, tu te mets bien quoi au niveau du fric. Il y a très peu de gens qui sont capables de toucher cette maille-là. Alors déjà, premier conseil, déjà, faut pas rager. Salut les pétasses. Faut se demander à un moment, moi je suis écrivain, peut-être j'écris des livres qui sont pas faciles, donc forcément, bah, j'ai pas beaucoup de spectateurs. Peut-être à un moment dans ma vie, sur 10 ans que je suis auteur littéraire, peut-être je peux faire un best-seller, c'est-à-dire un seul script. C'est un script, c'est un scénario le truc. Il le dit lui-même que c'est écrit comme des scénarios, tu vois. Et bien peut-être, quelqu'un qui écrit, il doit écrire un scénario, un truc, un livre, bien, facile à lire, et surtout facile à adapter un cinéma. Mais c'est l'objectif qu'il faut se fixer, c'est-à-dire il faut pas se dire je vais écrire un moitié littérature, moitié scénario. À un moment, il faut se dire j'écris un script, voilà, et je fais un best-seller. Et là, je serai acheté au cinéma, je me mets bien, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une représentation médiatique, et je fais rentrer à ce moment-là les jeunes dans ma littérature. Donc ça, c'est le premier point. C'est plutôt que de rager d'un seul coin, peut-être il faut se mettre au travail. Ça tournait vraiment là. Tu sais ce que je pense de Guillaume Musso? Après, tout ça, ça me fait aller vers la question. Oui, mais Teddy, tu as pas parlé de comment il écrit. Il écrit comme un torche-cul, je sais quoi. Et ben, pas tant que ça. Il écrit pas mal du tout. C'est pareil, faut réfléchir à quels étaient ses objectifs. Je vais vous dire quelque chose. Rabelais, du Bellay. Les poètes de prose, Céline, ils font de la poésie. C'est-à-dire qu'ils essayent de torturer la langue pour que, avec un livre, avec des mots, on puisse sentir, bander. Tu vois, par exemple, la littérature de Sade, érotique, on a la caquette qui est dure, tu vois. Tout ça en torturant la langue. Par exemple, Céline, il essaye de produire le son. C'est le son, la langue du son. Pareil, Flaubert, c'est le son. Chacun sa petite obsession. Verlaine, Rimbaud, c'est le sens. C'est pour ça que on a beaucoup les mots du sens. Vous avez remarqué un peu dans ses poèmes, c'est les sensations, l'ivresse, les fleurs. Mais Musso, c'est ça qu'il fait. Musso dit, c'est l'écrivain du visuel. Écoutez. On est une époque où, comme je le disais précédemment, les gens sont de plus en plus familiers avec la fiction. J'aime beaucoup, je continue tout le temps à aimer le cinéma américain, à la fois des années 40, dont on a déjà parlé, cinéma hitchcockien, Howard Hawks. J'aime Howard Hawks parce que, voilà, Truffaut disait dans le cinéma d'Howard Hawks, on est à hauteur d'homme, et c'est ce que j'essaye tout le temps de faire quand j'écris, c'est faire en sorte que mon lecteur soit vraiment à la hauteur de mes personnages, soit au centre finalement du récit. Vous avez vu, il parle de la caméra de Hitchcock. La caméra, c'est l'œil, le visuel. En fait, il dit qu'il s'intéresse pas au développement personnel. Par contre, à mon avis, il doit avoir des notions de PNL. En tout cas, nous, on va utiliser les notions de PNL. Écoutez bien. Vous connaissez le truc? Kinesthésique, les sensations. Visuel, auditif. Il s'adresse au lecteur visuel, pas à autre chose. En fait, Musso, il a compris un truc. Les illettrés, ceux qui ne mettent pas le nez dans les livres, ce sont des gens qui passent leur temps à regarder des images, des séries, des films. Et ces gens-là, il faut les stimuler visuellement. Parce que quand ils lisent, ce qu'ils veulent, c'est du visuel. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à lire. Tu comprends? Ils veulent voir quelque chose. Un spectacle. Et ben Musso, il le fait. Je vais vous lire un truc. Parce que t'es en train de perdre tout le monde. C'est une catastrophe. Non, je perds personne, Augustin. Parce que je pense pas que les gens qui nous regardent soient des imbéciles. Tu vois? Alors, vous étonnez pas, je vais lire les débuts du livre. Parce que vous imaginez bien que un illettré, il dépasse pas la lecture s'il n'est pas pris dedans.
Et de toute manière, tout se joue sur les premiers chapitres, parce que le public de Musso, c'est des gens, ils n'ont pas le temps. Il faut les accrocher dès le départ. Donc après, une fois qu'on les a accrochés, les mecs, ils finissent pas, c'est pas le problème. Tout se joue au début pour l'acte d'achat et prendre le spectateur. Donc on va s'intéresser qu'au début. Le reste, ça sert à rien du tout. Page 25. Habité d'un drôle de pressentiment, Alice entraîna Gabriel vers une trouée de soleil. On est déjà dans le visuel, tu vois, une trouée de soleil. Il faut faire voir le soleil dans le feuillage. Happé par l'éclaircie, ils se frayèrent un chemin jusqu'à ce qu'il semblait être la berge gazonnée d'un plateau d'eau. Alors il met des suspens là où il n'y a pas besoin, mais écoutez. C'est alors qu'ils l'aperçurent, un pont de fonte largement arqué qui enjambait avec grâce l'un des bras de l'étain. Bon, on a l'impression qu'il fait de la poésie. Tu vas voir comment il t'encule le mec. Un long pont couleur crème, orné d'arabesques et subtilement décoré d'urnes fleuries, complètement inutile, avec la description. Une passerelle familière aperçue dans des centaines de films. Je ne sais pas lire l'anglais, je suis désolé. Bow Bridge. Ils n'étaient pas à Paris, ni à Dublin. Ils étaient à New York, à Central Park. Et là, c'est la fin du deuxième chapitre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait là? C'est ça qui est important, de comprendre vraiment ce qu'il a fait là. Aperçu dans des centaines de films. Il est en train de prendre une image d'Épinal, tu comprends? Il veut te faire visualiser le truc dans les films. Même si tu connais pas l'image, tu te dis « Ouais, je l'ai vu dans les films ». Ton œil, il se connecte direct avec ton cerveau, tout est là. Et on imagine tout de suite le titre du film. Le réalisateur, le producteur, il se dit « Mais ouais, je vois bien le truc ». Donc ça, c'est le premier point. Voilà, comme c'est un malin, je vais vous donner un deuxième exemple. Parce qu'il fait quand même des effets littéraires. Ça, c'est très très intéressant parce que le mec, on dirait qu'il écrit comme un pied, mais pas du tout. Donc là, il faut qu'il vole une voiture. C'était une antique Austin Cooper S bicolore, à la carrosserie marron glacé, machin, des années 60. Voilà, il fait la description du truc pour bien qu'on l'ait dans l'œil. Des poncifs, tu sais, des trucs d'image d'épinal qu'on a vu dans les films et tout. Et là, il fait, il passa le bras à travers la vitre et ouvrit la portière. Contrairement à ce que les films peuvent laisser croire, voler une voiture en frottant les câbles d'allumage n'était pas une mince affaire. Pour ceux qui ont déjà étudié les lettres, ça s'appelle pas un effet de réel. Il annule la distance fictionnelle avec le spectateur. Il dit voilà, on n'est pas dans un film, on est dans le vrai, on est dans le réel. C'est une arnaque, mais ça marche pour les gens, ils se disent ouais, il m'a envoyé dans un film, mais dans ce film c'est plus réel que la vie. C'est sa technique quoi. Donc finalement il a plutôt un savoir-faire au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que c'est précis. Il n'y a que le langage visuel qui compte pour lui. Parce que pour le spectateur qu'il vise, la masse, le public de masse, le visuel c'est important. C'est ça qui est malin. Et c'est ça qu'il faut faire quand on veut écrire un best-seller. Et je vais finir et conclure avec l'un des trucs les plus importants, c'est comment est-ce qu'il a présenté ses personnages. Parce que dans ce roman, il n'y a que deux personnages principaux. Et ça s'étale sur une seule journée. Donc logiquement, on est censé s'accrocher à ces personnages. Alors on va se dire, peut-être le mec il va faire une description à la Balzac sur 10 pages, la cicatrice à gauche... la petite casquette verte fluo, le petit jean et tout. Non. Fais rien de tout ça. Écoutez, donc Musso, il commence par décrire l'homme. Personnellement, je pense que c'est parce que c'est des romans pour femmes, donc on commence par décrire l'homme. Donc ils sont enchaînés. Et donc Alice, elle ouvre les yeux. Et prudemment, elle se pencha en avant pour mieux distinguer son visage. C'était celui d'un homme. Entre 35 et 40 ans, aux cheveux châtains, en bataille et à la barbe naissante. C'est tout. C'est énorme. Alors on va me dire, ouais, c'est pas de la littérature, il y a peu de descriptions. Mais c'est magnifique. La meuf, elle se ressent. Entre 30 et 41. Ouais, le mec, c'est un mec qui est dans la force de l'âge, en bataille. C'est-à-dire, le mec, il prend pas soin de lui, il a une barbe naissante. Voilà, il est donc masculin, il a une pilosité, c'est un homme, point. Vois-y ce que tu veux. Évidemment, la meuf, elle va pas imaginer un cadavre, elle va pas imaginer un clochard, c'est tout.
c'est le héros de l'histoire, c'est tout. Et par contre, la meuf, elle n'est pas décrite de la même manière. Ça, c'est pareil, c'est malin. On l'a décrite dans l'action de chercher. Donc, Alice fouilla dans la poche de son jean en espérant y trouver la clé. Elle n'y était pas. En revanche, elle sentit un calibre glisser dans la poche intérieure de son blouson de cuir. Croyant trouver une arme, gna. C'est absolument tout ce qu'on sait d'elle. C'est-à-dire, c'est une jeune femme, donc ça pourrait être n'importe quelle lectrice, parce que c'est l'héroïne, il faut une catharsis, tu vois. Et elle a un jean et une veste en cuir, c'est-à-dire c'est une femme d'action. On la décrit par rapport aux actions. Donc on sait qu'elle est policière, c'est stylé, voilà, elle est en position dominante, c'est une ouf. Donc ça, la spectatrice, elle kiffe, tu vois, elle est dans le métro en train d'aller travailler dans un boulot de merde, elle se dit, voilà, pendant un moment, moi je suis une flingueuse, tu vois, j'ai mon flingue, mon Glock 22, voilà, je me sens plus pissé. Et elle est redécrite là, un autre élément descriptif pour elle. La veille au soir, elle était sortie faire la fête avec trois copines sur les Champs-Élysées. Elle a beaucoup bu, enchaîné les verres dans un bar à cocktail, le Moonlight, au 13e étage, machin. Genre, toi, c'est stylé, elle a une vie de guedin, c'est une flic, mais elle sait s'amuser, elle est un peu mondaine, elle est invitée dans des trucs de ouf, elle a des copines. Tu vois, elle a une style life, quoi. Et c'est tout, il n'y a besoin que de ça. La fille, il faut qu'elle fasse une catharsis, bah voilà, elle fait une catharsis avec une meuf qui a du style, quoi, c'est tout. Et après, tu fermes, quatrième de couverture, tu vois le prix, là, tu fais... Alors, c'est de la merde. C'est pas de la merde. C'est pas les mêmes objectifs, c'est ça le truc. C'est pour ça que je comprends pas, on me dit, Musso, c'est pas de la littérature. C'est pas le problème, c'est quoi la littérature? C'est quand on fait sentir les plantes? Non. C'est un scénario, c'est un très bon scénario, ça, y a rien à dire, qui utilise les mots de manière intelligente pour susciter le regard et créer une catharsis immédiate avec le spectateur. Il veut gagner du fric. Il a réussi, il a atteint ses objectifs. Voilà. Si un écrivain il commence à essayer de créer de la sonorité, eh ben vas-y, crée de la sonorité. Mais fais-le. Donc voilà, moi j'ai fait cette petite vidéo en fait pour que les gens qui ont tendance à rager arrêtent, que les écrivains qui sont jaloux mais prennent conscience que il y a des éléments à comprendre, que quand on veut gagner de l'argent et trouver un public large qui permette de se mettre en sécurité des besoins, il faut analyser les livres qui ont du succès. Donc Musso, il faut le lire, il faut regarder quelles sont ses méthodes et ses stratégies pour atteindre un public et pouvoir acheter ses maisons. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que il utilise les codes de la visualisation pour toucher le public qui normalement est dégagé de la littérature. Et en même temps, les gens qui font des livres sont pas très sympas avec les gens qui n'arrivent pas à accéder aux livres. Donc lui leur fait l'honneur de s'adresser directement à eux. Deuxième point, oui, il a un public féminin, mais il sait le tenir et il sait lui rendre hommage et lui faire plaisir en lui créant des personnages féminins qui sont actives, qui dépassent leurs conditions normales, voilà. Et il n'hésite surtout pas à écrire aussi pour les producteurs de films, puisque ces livres sont structurés sur des méthodes narratives de séries, de films, il le dit lui-même, et ça facilite énormément le travail de production, puisqu'on sait tout de suite quel budget ça va tenir, comment on va réaliser le film et quel acteur peut jouer ses rôles. Donc, si vous voulez écrire ça, faites-le. Mais sinon, arrêtez de blâmer cet homme qui ne fait que de faire des livres qui fonctionnent. Je veux dire, pas besoin de faire ça. Voyons le côté positif des choses. Essayons d'avancer un petit peu. Et si vous n'êtes pas content, vraiment, eh ben, parlez de la littérature qui vous plaît. Mais faites que ça. Ça sert à rien de dire quelqu'un et c'est une merde. On n'a pas de temps à perdre à rager sur d'autres. Je veux dire, mettons en valeur les choses qui nous plaisent. Voilà. Ben moi, bon, ça me plaît. Non, ça m'a pas. Je me suis ennuyé. Mais ça m'a plu de voir comment il faut écrire pour gagner de l'argent. Voilà. C'est une expérience. Et en plus, voilà le.
c'est un bon. Il écrit des scènes d'action, les gens ils courent et tout, donc voilà. Il vole des voitures. C'est un thriller, quoi. C'est, ça serait sans doute un bon film. Ça me fait penser à Seven. Tout à fait. Donc voilà, c'était la petite analyse de littérature de Teddy. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous et on se retrouve demain pour la 13e vidéo.